Bassiste débutant, alors nous voici partis sur la deuxième vidéo d'iWish, donc c'est la deuxième partie d'iWish. Donc iWish, il est composé en gros de deux choses dans la structure. Il y en a une qui fait ce qu'on a vu, c'est-à-dire... Ok, ça c'est la première partie. Et il y a une deuxième partie qui va faire... Ok, donc ça c'est la deuxième partie. Alors je ne l'ai pas fait sur un rythme, je l'ai fait un petit peu lentement. Juste pour que vous ayez le temps de voir ça, sachant que tout se passe à peu près là, alors que dans l'autre partie, on a la main qui est assez mobile. Alors au niveau du rythme, je vais revenir juste sur la première partie, celle qu'on a vue donc dans la vidéo précédente. Dans une mesure, en fait, on a 4 temps, une mesure classique à 4 temps, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, etc., etc. Ce temps, on peut encore le diviser par 2 et rajouter un temps entre les deux. D'accord ? Donc, le 1, 2, 3, 4, ça s'appelle des noirs. Et si je rajoute un temps entre les deux à chaque fois, eh bien, chaque note devient des croches. Donc, ça va faire, on passe de 1, 2, 3, 4 à... 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1. Ok ? Donc voilà. Et dans iWish, c'est exactement ce qui se passe. Quand on frappe le pied sur le temps. Ça fait 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Quand on rajoute le « et », on va mettre la note quand on lève le pied. Ça va faire 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4. Ok ? Et bien là, dans iWish, on joue à la fois sur le temps et sur le « et » du temps. D'accord ? Donc tout de façon régulière. Donc ce que ça va donner, en fait, ce qui va se passer, pardon, pour le démarrage du morceau, le 1, il faut savoir où il est. Et il n'est pas, si on suit ce que je vous ai dit dans la précédente vidéo, il n'est pas comme ça. Cette première note là, ce n'est pas le 1. Le 1, il commence là. Ça va faire. Alors maintenant, je vais compter, ça va faire. 1 et 2 et 3 et 4 et 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 1, etc. etc. D'accord ? Donc... En vérité, le morceau, si vous voulez tomber sur le temps à la première note, il démarre ici. Ok ? Et cette note-là, en fait, c'est un sol dièse. Donc ça fait sol dièse avec le majeur, et on part avec l'index pour faire le chromatisme, et ensuite on continue. D'accord ? Donc ça, c'était un point qui était assez important. Maintenant, pour venir à la deuxième partie du morceau, donc on va voir comment on le joue, et on va voir ensuite comment on doit l'enchaîner. Alors les notes sont les suivantes. On va partir ici sur le La dièse, sur le Do. Donc le La dièse, c'est la première corde, 1, 2, 3, 4, 5, 6e fret. Je ne les connais pas par cœur, hein, les comptages des frettes, parce que moi, c'est plutôt de visu. Donc 6e fret,
c'est le la dièse, ensuite le do sur la huitième frette, et ensuite le ré sur la deuxième corde, cinquième frette. Donc on fait comme ça. Avec le majeur, petit doigt ou auriculaire, merci David de m'avoir corrigé, auriculaire et ensuite index, ça va faire. Ok ? Je refais. Je refais. D'accord ? La dièse, do, ré. La dièse, do. Alors, cet enchaînement, on va le faire deux fois. Ça va faire. Alors, il faut le faire de façon, bien sûr, régulière. Hein, d'accord ? Tout à l'heure, je vais vous le faire avec un temps. Ça, il faut le faire de façon régulière. Pour l'instant, on ne fait que suivre les notes. Une fois qu'on l'a fait deux fois, on va faire un chromatisme, ça veut dire. D'accord ? Dès qu'on arrive sur l'index ici la deuxième fois, on suit avec le majeur, l'annulaire et auriculaire. Donc ça va faire. D'accord ? Ensuite, on revient ici avec l'annulaire. Et on revient avec le petit doigt. C'est-à-dire qu'on fait. D'accord ? J'ai inclus la tablature cette fois dans la vidéo. Donc du coup, vous pouvez faire une pause et vous allez voir ces endroits-là au moment où je joue. Ok ? Donc je redescends, ça fait. Une fois qu'on est ici, on repart avec l'index sur la corde. Pour atteindre le sol sur la troisième corde, cinquième case, d'accord ? Et on va aussi jouer sur les quatre notes qui sont là. Mais pareil, il y a un petit aller-retour sur la première note. Donc ça fait. Ok ? Donc je refais, ça fait. 1, 2, 3, 4. Petit retour. Voilà. Et là, ça s'arrête là et on repart là-haut. Donc je refais doucement, ça fait. Je vais tout refaire. Ok, je le refais encore une fois. Ok, quand on arrive ici, tout à l'heure j'ai dit qu'on allait jusqu'au petit doigt, mais non, là on va pas jusqu'au petit doigt. On s'arrête ici à l'annulaire, on refait la même chose. Et ensuite, c'est beaucoup plus facile parce qu'on va dérouler les quatre doigts ici, puis les quatre doigts ici. D'accord ? Donc, on va faire deux chromatismes à la suite, l'un sous l'autre, ou l'un sur l'autre. Donc, ça fait. Ok ? Donc, maintenant, je vais tout reprendre doucement et vous allez essayer de me suivre, ou en tout cas, je vais vous donner le temps de regarder. Alors, je suis tout sans m'arrêter, ça fait. Donc voilà la tourne qui va jusqu'à là et ensuite on va reprendre en faisant trois fois la note ici. Trois fois, pardon. Et on reprend. Alors la fin, je vais vous la réexpliquer, hein, d'accord ? Je vais vous faire la tourne complète pour que vous voyez comment je reprends derrière. Donc ça fait. Okay. Dès que je suis arrivé là avec le petit doigt, j'enchaîne de façon régulière. Hein. Ça fait. Ah pardon, trois fois. Je fais quatre fois à chaque fois. Et ensuite, on va reprendre la ligne d'origine en partant ici du ré dièse. Ok. Alors maintenant, je vais refaire un enchaînement complet doucement. Ça va faire. Alors, c'est pas évident à expliquer, hein. C'est pour ça que je préfère vous montrer. Et ensuite, on verra au niveau des temps comment on fait l'enchaînement pour atteindre ça. Donc, ça fait.
Ok? Et après, on continue. Voilà, alors je vous laisse regarder ça doucement pour récupérer toutes ces notes-là. Alors, l'enchaînement, en fait, il va se faire comme ça. C'est-à-dire que quand on va jouer... alors, je vais vous jouer de façon régulière le truc, ça va faire. Vous avez vu, je ne suis pas descendu. D'habitude, on descend jusqu'à là quand on fait le chromatisme. Ça veut dire qu'on va faire... D'accord ? Et je ne suis pas descendu jusqu'à là. Je me suis arrêté à l'annulaire et ensuite, j'ai enchaîné directement... Donc je vais vous le refaire, ça fait. Ok, donc ça fait 1, 2, 3. Et ensuite je chope ici avec le majeur, le sol dièse, le la dièse, pardon. Ça va faire. C'est comme s'il y avait un rappel entre 1, 2, 3. D'accord ? Donc il faut réussir à faire cet enchaînement-là. Vous pouvez regarder dans la cover en la ralentissant. Sur YouTube, vous pouvez mettre la vitesse, pour ceux qui ne le savent pas, la vitesse de la vidéo. Vous pouvez la mettre par exemple à 0,75 ou à 0,5 de la vitesse originale. Comme ça, vous aurez le temps de voir comment j'enchaîne et comment se jouent les notes au fur et à mesure. Alors, maintenant vous avez toutes les parties. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le faire, je vais le mettre sur Drumbeat. Et je vais vous le jouer sur Drumbeat directement. Ok, alors le temps que je cale ça, je fais une petite coupure. Bien, alors maintenant je vais vous mettre un Drumbeat à 60. Je vais mettre à 60, pas trop rapide. Et je vais vous jouer la ligne de base plus l'enchaînement. Et je vais revenir sur la ligne de base. Ok, donc ça va faire ça. Alors, je vais changer juste un petit truc dans Drumbeat pour que ça soit plus clean, voilà, comme ça c'est simple. Donc en fait ça fait ça, 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et... Ok, voilà, là je viens de vous faire l'enchaînement directement. Vous pouvez repasser cette partie, voire la ralentir. Vous pouvez jouer avec Drumbeat encore plus lentement, il n'y a aucun souci. Essayez de le faire le plus régulier possible. Donc déjà, il faut choper les notes et ensuite le faire le plus régulièrement possible. Essayez de bien tomber sur le 1 et 2 et 3. Si vous regardez dans la cover au niveau de ma main droite, vous voyez, les doigts sont très réguliers, de façon, en tout cas, je m'applique, j'essaye le plus possible d'être très régulier pour bien tomber sur les temps. Ben voilà, on a fait le morceau presque complet. Il manque une toute petite partie que je ne vais pas mettre dans la vidéo, mais je pense que ça, déjà, ça va vous pousser dans pas mal de retranchements. Je sais que pour les débutants complets, c'est pas du tout évident. Alors, je dirais que ce morceau, pour les débutants complets, c'est vrai que c'est limite, mais débutants... Ça peut durer un certain moment et il y a un niveau débutant qui est tout à fait capable de jouer ce morceau à une certaine vitesse de façon régulière. Alors il sera peut-être limité pour le jouer à 106, mais ce n'est pas du tout un problème. Le truc, c'est qu'il faut, que vous sortiez de votre confort de façon à vous retrouver dans une ligne où voilà, ça devient compliqué, etc. Et c'est en forçant comme ça un petit peu, en essayant d'augmenter la vitesse au fur et à mesure, que vous allez aussi augmenter votre niveau parce que ça demande... Je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, beaucoup d'efforts pour votre cerveau. Donc il faut être patient avec vous-même. Vous ne pouvez pas faire tout clean directement. Ça, ce n'est pas encore possible. Ça viendra, mais ce n'est pas encore possible. Voilà les amis, je vais vous laisser sur ce morceau. Et ben, à une prochaine vidéo, je pense que je vais faire... j'ai une petite idée de vidéo intermédiaire que je ferai pour la prochaine fois. En attendant, bonne basse les amis, éclatez-vous bien. Bye.